paix et l'amour de Jésus, le Lord vous a chéri et béni. Soyez la bienvenue dans les temples du grand roi. Samuel 2, verset 12, nous allons descendre. Dans verset 12, tous au quitta. Nous descendons au nom de Jésus. Pourtant, la tombe à Jésus. La Bible nous dit ceci. Le fils Élie était des hommes pervers. Bana Elia, Bazaki, Bato, Ya, Mabé. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Bayebaki, Koloté. Ils étaient des hommes pervers. Bazaki, Bato, Ya, Mopou, Pelza. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. À l'égard du peuple, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents. Bazalaki na maboko na bango na fourchette ya minu misato. Il piquait dans la chaudière. Bazalaki ko zwa etumbelo na moto. Dans les chaudrons. Ou na bisika bazalaki ko tumba yango. Dans la marmite. Na kati na nzungu. Ou dans les pots. To na kati na sani. Et tout ce que la fourchette amenait. O nyonso fourchette ezalaki ko mema. Le sacrificateur les prenait pour lui. Alobi nga nzambe azalaki ko zwa yango po na ye. C'est ainsi qu'ils agitaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient. Le boye ezalaki lolenge na bango ya ko sala liboso ya bana Israël nyonso bazalaki ko ya ko tumba. Nous sautons au verset 17. Okay, na verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel. Balobi bilenge mibali oyo bakatelamaki etumbu liboso na Yahweh Nzambe. D'un très grand péché. Na lisumu ya monene. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Po bazalaki ko tuka makabo na Yahweh Nzambe. Samuel faisait les services devant l'Éternel. Samuel azalaki ko sala mosala liboso na Yahweh Nzambe. Cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Balobi elenge mobali alati samaki na elambe. Élie était fort âgé. Balobi Élie akomaki mobange et apprit comment ses fils agitaient à l'égard de tout Israël. Ayokaki lolenge kani bana na ye bazalaki ko sala liboso na libota ya Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec des femmes qu'ils assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je bénis Dieu pour ces bons moments qu'il nous a donnés. Il est très merveilleux. Un bon papa. Aza papa malam. Qui nous donne toujours l'amabilité d'être dans sa présence. Et je remercie l'homme de Dieu, Papa Micho Kalala. Pour avoir nous donné encore cette mobilité d'être dans la présence de Dieu. C'est une opportunité que les autres n'ont pas. Alléluia. Amen. Dans d'autres églises, pour avoir lâché à prêcher la parole de Dieu, c'est une situation qui est très difficile. Mais ici, à la CJ, on donne aussi les jeunes l'opportunité de parler encore de la part du Christ. Et je remercie Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour ta présence en ces lieux. Je remercie Dieu pour ta présence en ces lieux. Notre Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Il sait comment organiser les circonstances. Il sait comment organiser de telles rencontres. Et ce que j'aime,
Parce que nous sommes dans une période où Dieu t'a sélectionné pour être dans sa présence. Alléluia. Amen. Au même moment que nous parlons ici, il y a d'autres jeunes qui sont occupés pour d'autres occupations. Mais moi et toi, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un avantage que les autres n'en ont pas. Et nous sommes en train de développer un grand thème qui est intitulé la chute d'Ophanie et Phinehas. La montée du jeune Samuel. Je remercie Dieu pour le premier intervenant. Parce que c'est un jeune que Dieu veut élever dans sa présence. Pour nous, c'est un jeune Samuel. Parmi les grands, il est petit. Mais ce qui sort de lui, ce sont des choses qui sont bénéfiques. Et j'en profite pour le dire ceci. Il est sorti de la même façon. Alléluia. Amen. Il y a des témoins ici. Ce que je parle, je suis en train de mentir. Si aujourd'hui nous voyons les gens Arisi évoluer ici, les lasotomoni et l'engue Arisi à Zalikokoba, Awa, il est sorti de la même façon. C'est le même exemple à suivre. La chute d'Ophanie et Phinehas. Pourquoi il y a Ophanie et Phinehas? La montée du jeune Samuel. Et aujourd'hui, il nous a donné cette opportunité de parler des conséquences de la chute d'Ophanie et Phinehas. Les lois, il va pas nous faire ça, mais il y a la Nicolas, pourquoi il y a Ophanie et Phinehas? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce qu'on peut faire signe dans la présence de Dieu? Soyez dans la joie de la présence de Dieu. Notre Dieu vous aime beaucoup. C'est un signe qui vous a appelé dans sa présence. Éphémère. Au lieu de suivre les traces célestes.
C'était la mépris des offrandes. Rendre ce qui est à Dieu. Rendre la place de Dieu. Faire ce que veut leur cœur. Ils ont profité de l'occasion qui. Quand ils étaient dans la présence de Dieu, de ne pas faire ce que Dieu veut, mais de faire ce qui était le désir de leur cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, il y a certaines exigences. Lorsque nous servons Dieu, il y a certaines exigences. La Bible me dit ceci. Alléluia. Amen. Les comportements des fils d'Élie, mais là, il y a ça, il y a pas de lignes.
Nous sommes dans une période que l'Éternel sélectionne et sélectionne. Nous allons vite découvrir les conséquences de Ophni et Phinèse par rapport à leur agissement auprès de l'Éternel. Esaïe chapitre 4, verset 17 à 21. Lisons au nom de Jésus. Qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant le Philistin et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine y a-t-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse. À côté de la porte, il s'est rompu la nuque et mourut. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car la douleur la surprit. Comme elle allait mourir, le femme qui était auprès d'elle lui dit, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit point et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Okay. On peut se limiter à ce niveau. Tout agissement négatif, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, a des conséquences. Les agissements de ces deux fils, et le mépris de son frère, et coucher avec des femmes devant la tente d'assignation. Les actes que Ophni et Phinès ont commis ont attiré la mort de
Mais si les tétons y en a un pour l'ensemble, mais sont occupés par d'autres occupations. Voici la fin du sourd. Dans la souka, il y a maladie, c'est la vie sourde. Voici la fin du sourd, on fait la tête. Dans la souka, il y a maladie, c'est la vie sourde. N'oubliez pas que ton Dieu t'appellera en jugement. On pense à la tête d'un corps et à tomber ma messe. N'oubliez pas que ton Dieu t'appellera en jugement. On pense à la tête d'un corps et à tomber ma messe. Réfléchissons de toute façon que tu viens, mon frère. C'est pas le réunion, c'est libre, c'est bien. Combien les hommes qui sont des frères? Ça va, ta mort, il y a mon sourd. La fin du sourd, c'est juste. Ton Dieu t'appellera en jugement. Et choisir de servir ton Dieu. Il y a ton conversion qui est au sein de la zone de la et mon père ou de l'éraniser. Ton au coin et à toi et au matin. Alléluia. Amen. Là où Dieu accepte quelqu'un, et si quelqu'un a besoin de vivre en moto, il rejette aussi quelqu'un. À ce coup, on appelle mon tour. Là où il y a un accepté, mais si quelqu'un a mon tour, il y a aussi un rejeté. Et ça fait la moto, tu as parmi les gens que Dieu veut accepter. Alléluia. Les alliés dans la vie pour la Bible dit que les amants vous tous qui êtes chargés et fatigués, ils ne répondent pas dans la vie à ton bonheur. Je vous donnerai les réponses. La confesse à Dieu vous plaît. Là où tu as eu à chuter, et si tu as eu au courant à qui, ton Dieu est là pour te remonter. Zambéras allait avoir ma tissue, et c'est bien que tu es. Azot dit, ma vie par le même. Est-ce que tu peux faire mieux que je le veux de l'aimer en haut? Car ma vie sera au top. Est-ce que tu peux lire au frère ma sœur? Aux opposés de la dépomassie de mon mauvais. Tu parles à Dieu, on se sauve le même salut la jour. Mais tu es parti auprès de ton Dieu. On va oublier pas de toi auprès de toi. Sa parole c'est bien de vous aider. C'est la version des choses de nouveau. Si on regarde les souvenirs au nom de Jésus. C'est pas les souvenirs à ton nom. Vous voulez même pas parler à l'eau. Il est venu bien à nous en prier.
Chacun de nous a pu tirer une leçon. Ça restera parfois gravé dans nos pensées pour ne plus oublier. Et nous les traduirons à d'autres, nous les transmettrons à nos enfants et nous les donnerons à tant de serviteurs, parfois qui vivent encore dans la négligence, parfois qui vivent encore dans les désordres. Frères bien-aimés, ma soeur, il est temps pour que nous puissions nous attacher à la vraie parole. Il est temps pour que nous puissions servir Christ et Christ lui seul, afin que nous puissions être bénéficiaires de tous les bénéfices, parce qu'on nous a dit, aucune personne ne peut travailler dans une entreprise sans pour autant bénéficier des avantages venant de son employeur. Voilà pourquoi on commence à dire merci à Dieu, parce que c'est lui ton employeur, il va te bénir, il va te donner la vie éternelle, il va te donner tant de bonnes choses donc, que tu espères dans ta vie. Commençons à dire merci à Dieu pour tout, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec un cœur rempli de reconnaissance, Seigneur, nous te disons grandement merci. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as édifié. Merci parce que tu nous as exhorté à te servir étant jeunes. Seigneur notre Dieu, alors que nous sommes dans ta présence, il y a des ceux qui se sont livrés à des choses qui plaisent à leur cœur. Mais toi, tu nous as appelés pour nous orienter, nous montrer le chemin à suivre. Seigneur Jésus, merci parce que lorsque tu abaisses et quelque part tu élèves aussi, lorsque on prie et les billets sont tombés, Seigneur, tu as préparé le relèvement par l'arrivée de Samuel. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, au travers de tous les messages que nous avons écoutés, permet que toutes les bombes et les négligences soient bannies dans le cœur de tout jeune, permet que toutes les bombes, Seigneur, notre Dieu, de distractions, de désordres, des publicités, des volerie, Seigneur, soit ôté du milieu de ce peuple qui vient parler encore ce soir. Nous recommandons le chemin du retour entre terrain, permet que tu puisses les accompagner, permet que tu puisses arriver encore de sortir de leur maison, parce qu'ils sont venus au devant de toi, permet qu'ils sortent avec cette grande de bénédiction, parce que c'est un repère, il n'y a que toi qui es capable de changer la vie, de donner à quelqu'un la forme qu'il faut, parce que nous sommes comme l'argile entre terrain, toi le véritable potier. Que ta grâce nous accompagne, que ton bonheur soit notre partage, que cette nuit nous soit favorable dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, par la foi nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Laissez-nous que Dieu vous bénisse abondamment. Allons dans la paix.